au nom de monsieur le maire de la commune de Ligué, au nom des parents d'élèves parrainés, au nom de tous les enseignants, au nom de tous les bénéficiaires et à mon nom propre, je prends la parole en tant que président du bureau entrant de l'association Taga Nyenanga de Ligué et porte-parole de tous les bénéficiaires de souhaiter la bienvenue à Ligué. Cette noble action à caractère social a apporté à son actif plusieurs acquis que je vais devoir vous citer. Premier acquis, lutter contre l'analphabétisme au sein des filles diminuées dans la commune. Toutes les filles parrainées ont eu le privilège de lire et d'écrire. Deuxième acquis, lutter contre la délinquance juvénile. Troisième acquis, permettre d'accompagner certaines filles à poursuivre des études secondaires couronnées par des diplômes de BPC, de BAC, qui sont des débouchés pour la recherche de l'emploi. Réduction du chômage, synonyme à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Lutter contre le quatrième acquis, lutter contre la pauvreté. Les parents qui sont déjà pauvres devaient vendre leurs maigres récoltes afin de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce soutien est la bienvenue. Cinquième acquis, lutter contre les maladies. L'enfant qui arrive à prendre un repas journalier qualitatif et suffisant grâce au soutien de la cantine est protégé contre certaines carences alimentaires, malnutrition, cause fréquente de la mortalité. Vos filles, les parents d'élèves et les autorités communales vous restent reconnaissants. Je vous confirme que tous ces acquis engrangés par votre soutien font partie intégrante des droits fondamentaux de l'enfant au Burkina Faso. Je vous souhaite bon séjour au Burkina Faso, des hommes intègres et en particulier à Ligué. Que Dieu vous donne la force de continuer votre œuvre de bien présence et vous protège afin que vous retourniez tous heureux dans vos familles respectives. Merci beaucoup. Encore merci pour votre conviction et votre volonté. Envie de fonctionner, de continuer à bien travailler pour Ligué. Donc, on est prêt aussi, nous, à répondre à toutes vos questions, à écouter aussi tout ce que vous avez à dire. On est prêt à recréer un dialogue, quelque chose. Et donc, sur de base. Il y a beaucoup de choses à revoir, on a quand même beaucoup de travail à faire. Mais bon, on est partant, on est plein de bonne volonté tous, donc ça devrait bien marcher. Mais on remercie quand même toute l'équipe qui a travaillé avant, parce que c'est pas toujours évident de récupérer les résultats, on le sait, de récupérer les courriers de la part des finales. Donc, le travail n'est facile, on reconnaît que le travail n'est facile pour personne. Donc, voilà. Je n'ai pas préparé mon discours parce que je ne m'attendais pas à un discours. Donc, on est prêt à travailler ensemble. Appuyez-vous là. Sixième, là, c'était 23 600. Voilà, mais là, c'est celui qui a eu l'entrée. Ah oui. Pas capable d'entrer, hein. 2 euros. Hein. Sixième.
Dit que par exemple son enfant qui est en série. Rangé mais pas dans la bonne. Alors en plus moi je suis pas la responsable hein, des parrainages. Donc elle est pas là, elle est en France. C'est ça. Donc vous dites Poco. Poco. Oui mais le problème c'est que Poco n'était pas sur cette liste là. C'est parce qu'on n'avait pas, ils nous avaient pas le bien, la poursuivi, on n'avait pas eu son, ses résultats, et on n'avait pas son bulletin. Et nous on a dit que si on n'a pas ton bulletin, on va faire. Ah ben voilà. Et après, il nous a envoyé maintenant, mais voilà. En retard. Oui, parce que nous on a travaillé sur la liste qu'on a reçue là. Voilà. Donc avec, j'ai travaillé avec Dominique Valade dessus, mais c'est quand même elle qui assure davantage.